Manuel en mars, le 15 mars 2021, donc c'est tout frais. Et donc là, on a invité le collectif La Friche et du Média pour discuter justement de ce livre. Peut-être d'abord vous présenter le collectif La Friche, donc ça veut dire fabrique raisonnée d'informations collaboratives, horizontales et émancipatrices. Et l'association et du Média réunit des chercheuses en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille en lien avec le laboratoire Jericho. Est-ce que peut-être le collectif La Friche, vous pouvez vous présenter? Vous êtes un collectif de journalistes roubaisiens, c'est ça? C'est ça, on est un collectif installé dans le nord de la France, en partie. En fait, on est quatre à la base de ce collectif. On a d'abord commencé par se rencontrer à travers chacun nos expériences de journalistes ou d'animateurs d'ateliers ou de projets médias. Et puis, au bout d'un moment, à force de se croiser, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, vu qu'on travaillait tous dans la même région et tous un peu autour des mêmes valeurs et des mêmes manières de faire, de travailler ensemble, en fait. Et donc, on a créé au départ une forme un peu informelle de collectif. Et puis, derrière, ça a donné la naissance d'une association, La Friche. Et donc là, de plus en plus, on élargit aussi ce réseau-là, mais toujours pour travailler en tant que journaliste, documentariste, illustrateur, illustratrice, photo-reporter indépendant, et lié à ces questions d'éducation aux médias sur lesquelles on intervient beaucoup, notamment en atelier et autour de projets médias. Et peut-être un truc intéressant à préciser aussi, c'est que nous, on a décidé de mêler notre pratique d'éducation aux médias, qui est une pratique plutôt inspirée de l'éducation populaire. On a décidé de mêler cette pratique d'éducation aux médias dans nos productions journalistiques. Donc, c'est-à-dire qu'on estime que en fait, l'éducation aux médias à l'info, elle est aussi là pour qu'on produise des choses collectivement, que ce soit dans des quartiers populaires, dans des zones rurales, dans différents types de territoires ou avec différents types de publics, pour qu'on construise en fait, de l'information ensemble qui correspond plus aux attentes en fait, des gens sur ce qu'ils aimeraient voir dans les médias traditionnels. On ne t'entend plus, mais je pense que c'est le moment où tu nous demandes de nous présenter, peut-être. Oui, du coup, ouais, ça serait pas mal de présenter du média, ouais, allez-y. Voilà. Et ben, nous, on peut présenter, je vous demandais du coup, l'association et du média, comment déjà vous vous êtes rencontrés avec La Friche, peut-être vous présenter et savoir un peu comment vous êtes rencontrés, comment vous avez, quelle est l'origine de ce projet, du coup, de livre et de votre collaboration. Ouais. Alors en fait, donc nous, on est trois chercheuses en sciences de l'information et de la communication, donc du laboratoire Jericho. Donc trois ce soir, mais on est quatre impliqués dans le collectif avec Coralie Lecaroff qui n'est pas là ce soir. Et en fait, nous, on a lancé ce collectif il y a 5 ans, sur en fait l'envie de partager des recherches un peu différemment. Parce qu'on s'est assez vite rendu compte que nos domaines de recherche et nos objets de recherche, c'était des choses qui intéressaient des professionnels de terrain, alors beaucoup de professionnels de l'éducation, mais pas que. Et que du coup, bah, on avait nous aussi envie de partager un peu différemment et voir de faire de la recherche un peu autrement, des fois dans des recherches un peu plus de type sciences participatives, pour résumer. Et voilà. Et comment est-ce qu'on a rencontré La Friche? Eh ben, au départ, sur un projet qu'on a mené toutes les trois, je pense, ouais. Où en fait, on travaillait sur des résidences de journalistes à des fins d'éducation aux médias. Et donc, en fait, on a demandé au tout début à Lucas et à Sherazade s'ils acceptaient qu'en fait, on mène des recherches sur les ateliers qu'ils menaient dans la région. Et donc, bah, en fait, on travaille de manière ethnographique. Donc, en fait, on a passé beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Et du coup, ça nous a, enfin, je pense qu'ils vont confirmer, donné envie de faire des choses ensemble. Ce qui s'est fait, et ce qui s'est fait ensuite de manière plus approfondie encore avec Coralie Lecaroff, qui, en fait, pendant un an, a pu observer, participer, travailler au projet du Labo 148 à son lancement. Et ben voilà, ça fait que finalement des proximités au départ à but de recherche sont devenues des choses un peu plus un petit peu plus amicales et professionnelles. Voilà. Ok.
Alors, on reparlera probablement du Labo 148 tout à l'heure, mais du coup, vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui, parfaitement. Et on a quelques problèmes techniques du coup avec mon micro. Donc, cette collaboration, elle a donné lieu à ce livre, donc c'est le livre dont je parlais tout à l'heure qui est paru aux éditions du Commun. Et un des points, en tout cas, par lequel vous commencez ce livre, notamment dans le manifeste que vous coécrivez entre La Friche et Edumédia, c'est justement vous évoquez le fait que l'éducation aux médias et à la formation, depuis quelques années, notamment depuis les attentats contre Charlie Hebdo, se focalise souvent sur les fake news, sur la lutte contre la radicalisation, le conspirationnisme, etc. Et vous voulez aborder en fait l'éducation aux médias et à la formation d'une manière plus large, en tout cas un peu différente. Et par ce manifeste, vous essayez de mieux définir ce que vous entendez par éducation aux médias. En tout cas, quelle est vous votre pratique? Et du coup, ce qui m'intéresse, ça, c'est peut-être que vous évoquiez cette fameuse pratique, ou en tout cas cette définition que vous donnez de l'éducation aux médias et à la formation. La Friche, si vous voulez commencer peut-être? Qui veut commencer à répondre à cette question? Alors, ce qui est intéressant à préciser ou à recontextualiser en fait dans l'écriture de ce bouquin et dans notre manière de faire de l'éducation aux médias à l'info depuis quelques années, c'est qu'en fait on a à peu près tous commencé à s'interroger sur des pratiques médiatiques, soit à faire des ateliers artistiques, des ateliers d'éducation à l'image ou des ateliers d'expression, ou bien avoir une pratique de travail social, d'éducation spécialisée. Ce genre de projet, on a tous commencé en fait avant les attentats de Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, que c'est vrai qu'il y avait un changement de paradigme en fait dans la manière dont l'éducation aux médias et l'info était discutée publiquement, notamment par les institutions et par les personnalités politiques ou par les médias traditionnels. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le focus était ces dernières années davantage mis sur des attentes politiques qui avaient trait à la lutte contre les fausses informations, la lutte contre les théories du complot, le vivre ensemble, les questions de laïcité récemment. Et en fait, nous, on a un peu voulu prendre le projet autrement et dire qu'en fait, l'éducation aux médias à l'info ne se résumait pas à ça, et que nous, en fait, on avait envie de resituer l'éducation aux médias dans l'histoire en fait des médias participatifs, dans l'histoire de l'éducation populaire. Et en fait, dans des pratiques qui existent depuis longtemps, notamment dans les collèges, les lycées, avec la pratique des professeurs documentalistes. Et en fait, on avait envie de dire que l'éducation média à l'info, elle n'était pas apparue en fait à ce moment-là uniquement en réaction aux attentats, et qu'en fait, elle était plus large et qu'elle pouvait avoir aussi une visée de transformation sociale, pas simplement de lutter contre la désinformation. Si je peux peut-être compléter, puis Béa, tu compléteras aussi. Nous, en fait, on est aussi des acteurs qui sont pris dans des temporalités sociales. Et nous, on a été vraiment prises directement là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on a participé à un projet européen qui était un projet de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Et donc, je pense comme d'autres acteurs de l'EMI, on s'est retrouvés, alors nous en tant que chercheuses, mais à faire de l'EMI dans ce cadre post-attentat et dans un cadre très spécifique, ce qui alors nous a ouvert une opportunité d'accès au terrain et une opportunité de recherche financée, donc ce qui est toujours intéressant, mais ce qui nous a permis de comprendre qu'effectivement, c'était une vision très réductrice de l'EMI. Et finalement, on s'est retrouvé dans une position un peu spéciale, c'est-à-dire participer à quelque chose tout en en voyant vraiment beaucoup les limites, ce qui est quelque chose d'assez stimulant, mais qui nous a aussi posé beaucoup de questions, et en tout cas qui nous a permis, comme l'a dit très bien Lucas, mais nous, je dirais du point de vue recherche, donc en allant observer ce que faisaient les professionnels, en allant observer ce qui se jouait sur le terrain, de se dire qu'il y avait vraiment effectivement un enjeu à aller discuter cette focalisation sur les théories du complot, sur les fake news, et sur une forme de stigmatisation de certains publics, suite à ces attentats de 2015. Mais peut-être que tu peux compléter. Moi, j'étais pas dans le même projet, mais par contre, je forme des professeurs documentalistes depuis plusieurs années, et j'ai été très surprise de voir l'écart entre cette vision, on va dire, très corsetée de ce que serait l'EMI dans les discours des politiques publiques, et notamment des politiques publiques de l'éducation nationale, et puis ce qu'en font sur le terrain les enseignants ou les acteurs de l'éducation populaire ou les journalistes.
Et c'est vraiment dans cet écart-là que pour nous, la réflexion a pris naissance. Et comme il y avait la même réflexion dans le collectif de la Friche, eh bien, voilà, on s'est retrouvés au même endroit. C'est-à-dire que, et puis, je pense aussi quand même, on a en commun aussi de voir dans cette vision très, très fermée de l'EMI, une forme de dénégation quand même de la capacité des adolescents ou des adultes à être présents dans un rapport critique aux médias. Et or, c'est pourtant ce qu'on constate nous tous les jours quand on discute réellement avec des adolescents ou des jeunes adultes ou même des adultes. Et du coup c'est un peu c'est tous ces constats-là qui vous ont donné envie de partager des expériences et de croiser ces regards, je suppose, et d'en faire un livre, justement. Ouais. On a eu la chance, je pense que c'est important de se retrouver sur un même territoire. C'est-à-dire que, mine de rien, l'EMI de proximité, c'est important. C'est-à-dire que à force de de se fréquenter dans un cadre de recherche, de pouvoir mener, de temps en temps, un débat ensemble, de se retrouver sur des mêmes. On a beaucoup travaillé aussi avec la condition publique à Roubaix, qui a créé un Media Lab, donc en fait des journées qui étaient dédiées à la fois à la réflexion et à la fois au partage de pratiques. C'est mine de rien, je trouve, à force de se croiser au quotidien, de se dire qu'on a des choses à échanger entre nous, qu'on a des choses à échanger avec d'autres gens. Et là, je trouve qu'on a vraiment expérimenté le fait d'avoir la chance de se fréquenter sur du long terme, de se voir, de se revoir, de pouvoir discuter dans des temps plus ou moins informels. Et c'est comme ça, je trouve, qu'on arrive à faire des projets qui sont des rencontres. Mais c'est vraiment le point fort, en tout cas, de votre livre. C'est-à-dire que, en effet, comme tu dis, il y a le fait que vous soyez dans la même région et donc que vous ayez, on ressent bien les expériences aussi de terrain de cette région-là. Mais en même temps, ce qui fait la force de ce livre, c'est que vous allez quand même, vous présenter des expériences aussi qui viennent d'ailleurs et vous croisez d'autres regards. Et donc, ça donne aussi quelque chose d'assez fort. On s'était dit tout à l'heure qu'on lirait probablement un petit passage du manifeste que j'évoquais que vous avez coécrit. Je ne sais pas qui souhaite le lire, mais je me dis que ça peut être le bon moment, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet sur les différentes thématiques qui sont abordées dans notre ouvrage. Bah écoute, on peut te faire une petite lecture à trois voix, si tout le monde est d'accord. Allons-y. Allez, c'est parti. Donc c'est la dernière partie du manifeste. L'EMI est forcément politique. C'est parti. L'enjeu pour nous est d'inverser le regard. Quand on nous demande ce que l'EMI suscite chez les jeunes, réfléchissons aussi à ce qu'elle transforme chez les journalistes, à ce qu'elle implique dans les institutions, à quoi elle renvoie dans nos propres pratiques médiatiques et professionnelles. Questionnons la représentation des journalistes chez les jeunes, mais aussi celle des jeunes chez les journalistes. Pensons l'éducation aux médias et à l'information comme un outil de médiation culturelle ou numérique. Autant de partis pris qui nous rapprochent à nouveau du champ des pédagogies critiques et de leur évolution historique, qui font écho à nos expériences de terrain. Car si le mouvement de l'éducation populaire est hétérogène, nous nous retrouvons dans le courant éducatif et pédagogique qui a accompagné lutte citoyenne et mouvement de résistance. Le penseur brésilien Paulo Freire a été l'un des premiers à théoriser ce double mouvement de politisation de l'éducation et de pédagogisation de la politique, en tentant de l'appliquer à travers un large projet d'alphabétisation et de refonte du système éducatif. Pour Frère, l'objectif de l'éducation était que les éducateurs, éducatrices, et ceux et celles qu'ils ou elles éduquent, apprennent ensemble, en se partageant leur savoir et expérience, à lire la société de manière critique pour écrire leur propre histoire. Je cite, « Personne n'est l'éducateur de quiconque, personne ne s'éduque lui-même, seuls les hommes s'éduquent ensemble, par l'intermédiaire du monde. Il n'y a ni ignorant, ni savant absolu. Il y a des hommes qui, ensemble, essayent de savoir davantage, disait-il. » Très orienté donc sur une lecture à travers les classes sociales, l'éducation populaire de Paulo Freire a évolué au contact d'autres écoles de pensée, comme celle du théoricien italien Antonio Gramsci ou de la militante afro-américaine Bell Hooks. Ainsi, la vision de Freire s'est enrichie d'autres idées, comme celle d'intersectionnalité, d'hégémonie, de politique culturelle et mouvements sociaux qui ont amené à penser l'école comme un espace critique d'innovation pédagogique.
En plus d'une conscience de classe, nous sommes passés à la reconnaissance d'autres facteurs qui caractérisent la subjectivité des acteurs et actrices et situent leur point de vue comme la race ou le genre. C'est aussi pour décloisonner des mondes et des pensées qui dialoguent peu que nous livrons à l'exercice qu'est l'écriture de ce livre, laboratoire de recherche, université, association de terrain, éducation populaire et éducation nationale, journalistes et médias, ces différents espaces n'ont que peu l'occasion d'échanger sur leurs pratiques respectives. Et la richesse de nos trajectoires diverses dans le monde académique et médiatique se ressent d'ailleurs dans le sommaire de ce livre. Au sein de ces pages, vous trouverez des analyses de chercheurs et des retours d'expérience de journalistes, des interviews d'acteurs et actrices de l'éducation populaire et du mouvement du numérique libre, des discussions avec les porteurs, porteuses de projets médiatiques originaux à Berlin ou à Barcelone. Sont également présentes des anti-boîtes à outils sous la forme de recettes, clin d'œil, ironique, à la demande constante de fiches pratiques et boîtes à outils clés en main qui vous est faite. Aujourd'hui, notre envie n'est plus seulement de construire une méthode, mais bien de proposer collectivement une pensée et des projets pédagogiques fondés sur le dialogue et le partage des savoirs, à la fois théoriques et empiriques. C'est l'ambition de ce livre, à l'heure où 7 Français sur 10 n'ont plus confiance en l'indépendance des journalistes et des médias, selon le baromètre annuel du quotidien La Croix. Il nous semble indispensable de réinventer nos pratiques professionnelles, de construire collectivement des espaces de parole, de tracer les contours du rapport de notre société à l'information à travers des objectifs visant une transformation sociale vers une société moins inégalitaire et contribuer ainsi à une pensée critique qui nous permette d'affirmer combien l'éducation aux médias et à l'information est politique. Merci pour la lecture. Du coup, je trouve ça assez fort comme manifeste. Et la fin du manifeste, elle présente du coup, l'organisation du livre. Et comme je le disais, ce qui donne aussi ce qui est vraiment en tout cas pertinent dans ce livre, c'est le fait d'avoir croisé des regards et des expériences, mais aussi des analyses. Et donc, tous les chapitres, en fait, il y a cinq grandes parties dans ce livre. Et chacune de ces parties. Dans chacune de ces parties, il y a toujours un regard de chercheuse ou de chercheur, un retour d'expérience, un entretien avec un professionnel ou une professionnelle de terrain, et un focus sur un atelier et une anti-boîte à outils. Et du coup, ça donne vraiment à l'ensemble du livre, à chaque fois, des angles différents, des personnes, en fait, à chaque fois qui viennent aussi peut-être d'horizons différents pour aborder chacun des sujets. Et donc, c'est vraiment très pertinent. On a notamment... Sur les grandes parties, on a une première partie qui est consacrée aux médias alternatifs et à l'origine de l'éducation aux médias, à l'information. On a une partie sur le numérique, on a une partie sur, la pédagogie par le faire, justement, avec notamment Freinet, dont on pourra parler tout à l'heure. Et à chaque fois, l'ensemble de ces regards permet vraiment d'avoir une lecture hyper approfondie, je trouve, dans votre livre. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a plu en tant qu'éditeur, donc, déjà, mais je trouve qu'en tant que lecteur aussi. Et un petit clin d'œil aussi, là je me tourne vers Lucas, mais sur à chaque fin de partie, il y a donc ces anti-boîtes à outils. Et donc c'est un format assez rigolo, pertinent, mais rigolo. Et du coup, je voudrais peut-être juste que tu nous en parles et que tu nous dises ce que c'est et pourquoi vous avez mis ça dans le livre, en fait. Ouais, pour la petite anecdote, j'ai un peu fait une crise d'angoisse la veille de la sortie du livre en me disant merde, et si les gens comprennent pas ce qu'on a voulu raconter dans ces anti-boîtes à outils, ça va être mal reçu. Mais du coup, en fait, finalement ça va. Les anti-boîtes à outils, en fait, ça part de l'idée que souvent quand on nous demande des ateliers ou des formations, on nous demande un peu de montrer notre catalogue en fait d'outils et donc de former les gens ou de présenter des outils qui sont reproductibles clés en main. C'est-à-dire qu'on peut en fait refaire avec des jeunes comme avec des vieux, dans tel endroit, avec 5 élèves comme avec 30. Enfin, en fait, c'est des demandes qui sont impossibles c'est impossible d'y répondre. Et souvent, elles sont teintées aussi d'une certaine forme d'attente aussi politique vis-à-vis, je sais pas, de la laïcité, vis-à-vis de améliorer l'image des quartiers populaires, en faisant un peu du politiquement correct. Et du coup, on a voulu en fait faire des petites recettes, c'est-à-dire les recettes des ateliers parfaits, mais qui sont en fait complètement irréalisables, quoi, où on aurait besoin d'avoir des ordinateurs pour tout le monde, des conditions idéales, le temps le plus long possible, etc. Et du coup, on a essayé de raconter en fait comment on fait quand on se retrouve face à des ateliers avec des contraintes, mais de forme humoristique et un peu critique aussi.
Et du coup, ça, c'est toutes ces contraintes-là qu'on vous impose. C'est, donc c'est pas forcément que dans des collèges, ça peut être dans des associations, dans des structures différentes à chaque fois. En fait, les contraintes dont tu parles et ces sortes de boîte à outils qu'on vous demande, et en fait, comment vous y répondez, vous, concrètement, lorsqu'on vous demande ça? Qu'est-ce que vous mettez en place? Parce que là, dans le livre, du coup, tu as voulu montrer un contre-exemple, mais lorsque vous avez ce type de demande, concrètement, comment vous allez y répondre? Plusieurs manières. Déjà, on propose des temps de formation aussi, dans lesquels on partage des expériences et des outils. Donc, ça vient aussi prolonger un peu cette expérience du livre. Après, on partage des ressources aussi, mais on est plutôt dans l'idée de justement construire une boîte à outils un peu collective pour que les gens, en fait, trouvent leur propre démarche et leur propre posture pour animer derrière leurs propres ateliers et sachent se positionner aussi politiquement. C'est-à-dire que nous, on a une posture qui est de plus en plus claire, je pense, et qui s'affine aussi au fur et à mesure, mais quand on parle de MI, on en parle vraiment dans l'idée de l'inscrire dans cette démarche d'éducation populaire, et derrière d'essayer d'y mettre du sens. Et donc ça passe par non pas avoir des ateliers clés en main à faire, mais plutôt de comprendre comment on peut, au sein d'un groupe, dans un cadre bien particulier, s'insérer avec les outils qu'on utilise, avec certaines pédagogies, avec certains centres d'intérêt vers certains sujets. Et donc tout ça va faire que on va plutôt inviter les gens à se nourrir de tout ça qu'à reproduire bêtement un déroulé d'atelier avec trois ressources déjà clés en main, quoi. En fait, on va co-construire déjà, ça c'est vachement important, avec les dans les endroits où on intervient, on co-construit toujours, enfin on pense les trucs en amont avec les profs, avec les éducs, etc., pour pas arriver comme ça, parachuter dans un endroit pour faire de l'éducation média, quoi. Et après, on va aussi détourner, je pense, certains dispositifs ou certaines attentes. On va en fait traiter de la question des fake news ou des théories du complot, mais en les mettant en parallèle avec des discours de propagande politique ou des choses comme ça, quoi. Donc en fait, on va répondre, en fait, je pense, aux attentes qui sont érigées par les gens qui nous font venir, mais on va aussi les détourner, en fait, en montrant qu'il y a aussi, en amenant un peu de critique ici et là et en mettant des choses en parallèle, on peut en fait déconstruire des récits ou des choses comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est accepté? Enfin, je veux dire, ils acceptent ça quand vous leur présentez les projets? Ouais. Les gens kiffent. C'est des temps de discussion assez riches en général. Hein. Si je peux compléter peut-être sur nous, ce qu'on observe aussi sur le terrain, c'est exactement ce qu'explique Lucas et Sherazade. C'est-à-dire que nous, on observe beaucoup de pas de côté. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, tout cadre a... Si on doit parler en termes d'avantages et d'inconvénients, ce qui est un peu réducteur, mais si on doit parler comme ça, je pense que tout cadre et toute commande a des choses sur lesquelles s'appuyer, à des choses qui sont plus contraignantes. Mais nous, quand on observe comment les acteurs de terrain s'emparent de cadres qui sont parfois très contraignants, on voit vraiment des pas de côté qui sont très forts. Et pour le coup, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux acteurs de terrain. C'est-à-dire que même si on a... je pense que ça se comprend dans ce qu'on est en train de se dire là. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous un peu d'accord pour se dire que une commande sur un temps très court de quelque chose qui serait vraiment lutter contre la radicalisation menant à la violence en une séance magique de MI, c'est pas le cadre le plus idyllique. Pour autant, nous, quand on l'observe, soit vraiment d'un point de vue extérieur, soit dans une perspective de recherche un peu participative, on voit à quel point les acteurs éducatifs font des pas de côté, ramènent leur expérience de terrain qui justement permet toujours de nuancer des choses qui sont parfois posées. Typiquement, les jeunes se font manipuler par les réseaux sociaux, des choses qui sont très de l'ordre d'une doxa. Et on observe ces résistances, on observe ces pas de côté et on observe l'exploitation des potentialités offertes des fois par un cadre contraint. Parce que mine de rien, vous êtes invité dans un amphi ou à faire une formation avec 50 personnes, peut-être que la thématique ne suscite pas votre adhésion, mais en attendant, enfin votre adhésion totale, en attendant, devant vous, il y a 50 professionnels de l'éducation aux médias qui terminent souvent ravis, même si les interlocuteurs ont porté un discours un peu dissonant par rapport au cadre de base. Oui.
Pour compléter, si on veut, je veux dire, pas faire preuve trop de naïveté, je pense par exemple, si je prends l'exemple du monde enseignant, il y a de nombreux enseignants qui, malgré les injonctions à faire de l'EMI, n'en font pas parce qu'ils se sentent soit mal à l'aise avec les visées, soit pas ou insuffisamment formés. Mais par contre, les enseignants qui en général y vont et décident d'y aller et contactent et mettent en place des projets, ils sont au contraire très très heureux qu'on leur propose ce pas de côté ou cette autre vision. Parce que s'ils y vont, justement, ce n'est pas tout à fait par hasard. Parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de moyens et de temps délivrés hein, de manière très claire, institutionnalisée dans les établissements scolaires pour ça. Et donc, si l'enseignant y met de l'énergie et décide de monter un projet, c'est justement parce qu'il a des convictions assez profondes en général sur le rôle politique de l'éducation aux médias, ou en tout cas de la construction d'un esprit critique chez les élèves. Et dans ces cas-là, il est tout prêt à réfléchir à ces contradictions, on va dire, entre des formes de discours officiels sur l'EMI et puis ce que peuvent apporter des collectifs comme la Friche ou d'autres. Alors, je suis désolé, du coup j'ai un petit décalage, je suis obligé de rafraîchir mon micro pour que ça refonctionne et que quand je vous parle. Moi, ce qui m'a pas mal intéressé aussi, c'est le dans votre livre, c'est le côté l'EMI en fait donc est destiné, en tout cas dans l'imaginaire peut-être principalement aux jeunes, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et c'est ce que vous dites, c'est ce que vous expliquez tout au long du livre. Et au-delà de ça encore, c'est que ça permet aussi de re-questionner la pratique des journalistes en fait, et vos propres pratiques journalistiques. Au tout début, je crois que c'est Scheherazade, tu disais justement que vous étiez constamment en fait en travail sur ça, c'est-à-dire que l'EMI vous permettait de re-questionner complètement constamment vos pratiques et inversement. Et concrètement, du coup, comment l'EMI vous permet de re-questionner tout ça, c'est-à-dire quelles sont les choses concrètes finalement que ça vous permet de remettre en question? Déjà, ça nous permet d'avoir des moments d'échange en fait sur ce que sont les médias, comment on fabrique et on diffuse de l'information. Et donc forcément, du coup, pour nous, c'est aussi des temps où on intègre des temps de réflexion et de réflexivité sur notre propre manière de faire. Parce qu'une fois qu'on sort de l'atelier, ben, on va aller faire un reportage ou travailler sur une production. Donc forcément, ce qu'on aura vécu en atelier, les points de vigilance sur lesquels on aura discuté ou les points de critique dans la manière dont les médias peuvent fabriquer de l'information, tout ce qui aura pu être discuté autour de ça, va forcément s'inviter à des moments où nous-mêmes, on est en train de faire ce travail-là. Et donc, ça nous fait réfléchir, ça nous fait parfois changer des manières de faire, aller plus loin. Je ne sais pas, ça peut être dans la manière dont on va construire aussi des liens avec les gens, avec un territoire, et donc du coup, comment des fois on quitte un peu les enjeux du journalisme rapide pour être plutôt vers quelque chose qui va avoir une portée un peu plus documentaire, mais qui va quand même être du journalisme. Et donc du coup, ça veut dire suivre des gens très longtemps, ça veut dire voilà, avoir du temps, dégager du temps pour ça. Et moi, à mon niveau, je trouve que l'EMI m'a vraiment poussée vers ça, vers cette idée qu'il y a plusieurs temporalités au journalisme, plusieurs manières de faire du journalisme, et dans plusieurs endroits, et qu'en fait, l'EMI permet aussi de voir des choses qu'on n'a pas l'occasion d'aller rencontrer quand on est journaliste sur certains sujets ou dans certains lieux. Un exemple très concret, moi je fais beaucoup d'ateliers dans l'Oise, c'est un territoire que potentiellement je pourrais couvrir en étant journaliste installée dans les Hauts-de-France, et dans lequel je vais pas si souvent que ça, parce qu'en fait, matériellement, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément la possibilité de m'y rendre souvent. Ben, les ateliers, c'est aussi des portes d'entrée dans des endroits ou avec des personnes, et donc ça permet de discuter de sujets qui sont des sujets du quotidien et qui vont bien sûr nous nourrir, nous donner des idées, nous remettre en question sur les choses qu'on a déjà fait et sur lesquelles ben, peut-être on s'est pas rendu compte que l'effet de notre production n'était pas si positif que ça et qu'il y avait peut-être des choses à revoir dans le processus de fabrication de ce type d'information-là. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait que pour nous, en tout cas, j'ai l'impression que nous quatre, ça nous a aussi nourris dans ce sens-là. Et d'ailleurs, il y a un article dans le bouquin qui est vraiment consacré à ça, à des journalistes qui témoignent en fait de leur propre expérience de journaliste en résidence et qui racontent qu'est-ce que ça a aussi transformé chez eux
et comment ça a participé à nourrir pour eux un regard différent sur leur pratique de journaliste et à peut-être les faire évoluer. Et je pense que ça, il faut vraiment le souligner, c'est-à-dire que nous, on a travaillé toutes les trois, c'est notre premier travail de recherche sur l'EMI dont on vous parlait tout à l'heure, sur ce dispositif de résidence de journaliste à des fins d'éducation aux médias, donc où un journaliste était en quelque sorte recruté pendant un temps, 2-3 mois, pour être mis à disposition d'un espace et d'une communauté éducative pour monter des ateliers d'EMI. Et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au départ, quand ce projet a été pensé, donc en l'occurrence par Jérôme Bouvier, il a été pensé aussi pour changer le regard des journalistes sur un certain nombre d'objets qui ne leur étaient pas très familiers ou en tout cas qui faisaient l'objet de mauvais traitements médiatiques, au premier rang desquels les quartiers populaires. Et de fait, c'est quand même quelque chose qui se dissout un peu, je trouve, dans la manière dont a pu se déployer le dispositif. Et d'une manière générale, qu'on oublie. C'est-à-dire que les journalistes qui font de l'EMI, je pense qu'il y a quand même une interprétation un peu biaisée quand on imagine qu'ils sont là pour aller expliquer la bonne manière de s'informer, comment les médias sont vraiment merveilleux, à des jeunes qui n'y comprendraient rien. C'est-à-dire qu'on a quand même une opportunité là, exactement comme l'explique Sherazade, de faire se rencontrer des professionnels de l'info avec des nouveaux publics, avec des territoires qu'ils n'ont pas le temps forcément de travailler. Et vraiment, ce mouvement-là qui remonte est vraiment très, très, très intéressant et ce serait dommage de le minorer et de ne voir qu'une opportunité de faire descendre la bonne parole sur des publics qui auraient besoin qu'on leur explique un peu le monde. Quoi. Et sur ça, juste dans le prolongement de ce que dit Amandine, ce qui est très important pour nous aussi, et je pense que les copains ont plein de choses à dire sur ça, c'est aussi de partir des pratiques des gens avec lesquels on va avoir un temps d'atelier ou un projet à construire. Et en ça, ça peut aussi nous faire découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de raconter des histoires. Et donc, voilà, c'est riche en ça, et le fait de partir des pratiques des gens, nous permet d'ouvrir plein d'horizons, d'explorer des choses avec eux, chacun d'apporter aussi ce qu'il sait faire ou ce qu'il maîtrise, de discuter de certains sujets. Et forcément, c'est pour nous bénéfique dans les deux sens. Quoi. Oui, tout à fait. C'est ce que dit justement donc la préface. Il y a une préface qui est écrite par Nora Amadi. Et c'est exactement là-dessus en fait, qu'elle centre son propos, c'est justement sur le fait que ça lui a permis, en tout cas, ses ateliers, puisqu'elle emmène depuis pas mal d'années, je crois 15 ans, ça m'a permis de se décentrer et justement de comprendre que c'est pas une sorte de parole dominante qu'on vient comme ça donner aux élèves, ou en tout cas aux personnes, en l'occurrence là aux élèves, mais je sais pas, Julien ou Flora, est-ce que là-dessus vous avez des choses, une expérience personnelle à ajouter? Il y a plusieurs expériences, mais je voulais revenir sur un truc aussi, sur le fait que toutes ces réflexions-là, elles nourrissent aussi, du coup, certes, la pratique du journaliste, mais aussi mesurer l'impact que peuvent avoir nos contenus et nos productions journalistiques sur un territoire, sur des personnes qui sont ciblées, là, pour le coup, quand ils sont les sujets. Et du coup, c'est ça qui est intéressant avec l'EMI, comme on la pratique, ce que disait Sherazade tout à l'heure aussi, c'est que ça nourrit notre pratique et notre pratique nourrit l'EMI. Et du coup, ça, c'est une richesse qui est dingue. Et par ailleurs aussi, ça, on travaille dans avec les publics aussi sur potentiellement des droits de réponse, la réappropriation de l'espace médiatique, mais aussi l'espace public, parce que l'espace public est aussi un espace médiatique. Donc nous, concrètement, on travaille aussi avec des jeunes, on reviendra dessus sur Labo 148, mais on travaille aussi sur comment un travail journalistique et artistique peut occuper l'espace public et comment aussi il peut occuper un espace médiatique en créant nos propres médias ou en ayant des partenariats avec d'autres médias. Et ça, c'est pour moi une des richesses fortes de la pratique qu'on peut avoir aussi sur le terrain aujourd'hui, et notamment avec les jeunes du Labo 148 à Roubaix où depuis 4 ans, on produit des contenus assez variés. Mais au-delà de ça, on le fait aussi ailleurs qu'au Labo 148. C'est un peu les mêmes choses qu'on applique dans le cadre d'ateliers plus ou moins longs dans les établissements scolaires, dans des centres sociaux, dans des centres d'accueil pour toxicomanes, en prison, enfin voilà, dans plein d'endroits différents. C'est un peu les mêmes philosophies aussi, de se dire quel impact pourrait avoir aussi nos productions et qu'est-ce qu'elles permettent de générer chez les personnes, en fait.
C'est pas juste tu viens, tu produis et puis tu crées quelque chose et basta. En fait, en fait, derrière, il y a une vraie démarche aussi de réappropriation de ces espaces-là, mais aussi de valorisation de la parole des citoyens et des citoyennes, parce que aujourd'hui, clairement, on a dans les quartiers. Ah, ça coupe, je ne sais pas si ça. Ouais. On ne prend pas souvent compte. Ça coupe. C'est bon, hein ? Ça bug un petit peu. Julien, on n'a pas entendu la fin de ta phrase, ça a coupé. Je ne sais plus du coup. Tu disais clairement les quartiers. On voit souvent dans les quartiers. On voit clairement l'impact que ça a en fait dans les quartiers. Et aujourd'hui, il faut que les journalistes, mais pas que d'ailleurs, mais les journalistes en première ligne dans cette production journalistique aient conscience de ces impacts-là et de ce que ça peut générer positivement aussi et négativement, certes, chez les publics, mais qu'il y a vraiment une envie aussi des personnes qu'on peut accompagner ou à qui on fait des formations d'être entendues quelque part. Et on a une règle qu'on essaye de s'appliquer systématiquement, c'est quand il y a une production qui existe, qui a été réalisée dans le cadre d'atelier, elle doit être diffusée. Et peu importe finalement où elle est diffusée, mais elle a cette intention d'aller toucher quelqu'un. Et ça peut être sur un site web, chez un partenaire, une vidéo, dans l'espace public. Mais voilà, il y a vraiment cette idée d'occuper des espaces avec des paroles qu'on entend peu et un peu différentes de celles qu'on entend d'habitude dans les médias. Et puis je pense qu'il y a une dimension d'expérimentation et de liberté en fait qui est vraiment propre à ces projets-là, en tout cas quand on a le temps de le mettre en place, et qui permet aussi, l'expérience qu'on mène avec Julien depuis plusieurs années, c'est le Labo 148. Il porte le nom de labo, mais ce n'est pas par hasard non plus. C'est-à-dire que toutes ces formes aussi qui sont. On est basé dans un. Oh, mince. On sort du cadre purement journaliste. Ah, là, ça bug. Ouais, Flora, désolé, on ne t'entend plus du tout. Après, peut-être qu'on peut juste pour. Un peu à attendre que ça revienne la connexion. Là, vu qu'on a parlé des boîtes à outils. Ça a l'air de marcher, ouais. Ah, vas-y Flora, du coup je. Non, ça s'est figé assez rapidement. Peut-être, moi juste pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Flora, en espérant qu'elle pourra reprendre la parole. Avec Amandine, on a eu la possibilité de suivre le travail d'une web radio dans un collège de la métropole lilloise, et donc qui est d'ailleurs évoqué dans le livre. Et une des premières choses qui nous a frappé nous quand on est arrivé sur ces terrains-là, c'est la joie de ces projets-là chez les adolescents et les enseignants qui travaillaient ensemble. En le préparant dans les émissions en direct, et donc Flora a évoqué cette question de l'expérimentation et de la liberté, et clairement ça transparaît de manière très très visible hein, quand on arrive nous comme chercheuses sur le terrain. Les joies que procure l'exercice de la liberté. Et ça, c'est vraiment une très belle chose à voir. Flora, je te redonne la parole. Si on nous entend là. Ouais, c'est bon. On t'entend, Flora, ouais. Ouais, c'est vrai. Et cette liberté-là, en fait, je pense que dans le milieu journalistique, c'est pas si évident, en fait, parce que c'est du temps, c'est un autre rythme, c'est pas les mêmes enjeux. Et du coup, c'est vrai que de s'autoriser. Ah, décidément, là, je crois que cette phrase-là, elle ne veut pas passer. C'est ça, quoi. Aussi, si moi, me pratique. Si, là, ça va. Peut pas là, c'est bon. Donc, voilà, ça transforme aussi ce qu'on fait, les manières de faire et aussi les manières de diffuser. Il y a vraiment, c'est quelque chose d'hyper important pour nous, en tout cas, de travailler sur aussi comme disait Julien, c'est la diffusion, mais c'est aussi une restitution. Nous, à chaque fois qu'on fait une production, souvent, on fait des projections publiques, on intègre aussi cette dimension, en fait, de convivialité, de rencontres physiques, hein, quand c'était encore possible. Et du coup, ça joue aussi vraiment sur un système d'aller-retour avec les productions qu'on peut faire, qui est super forte, quoi. Et je rebondis là-dessus, mais du coup, là, ça a un lien avec tout ça, mais on a un chat, parce que oui, on a un chat lié à cette vidéo. Et il y a une personne qui demande justement... si vous questionnez aussi les usages des médias chez les jeunes lorsqu'il y a ce type d'atelier, ça me paraît assez logique, mais en tout cas, voilà, la question c'est comment c'est questionné et comment c'est intégré vous à vos pratiques, justement, la manière dont eux utilisent les médias. Parce que c'est hyper... Oui, c'est...
pour finalement une réappropriation médiatique de travailler de cette manière-là, je suppose. Bien sûr, ça arrive en faisant, en discutant, parfois aussi par le biais de jeux. En tout cas, on discute assez vite des pratiques informationnelles et on est sans cesse surpris, en fait. Ça évolue très, très vite. Et donc, je pense que vraiment, il y a des médias, des réseaux sociaux et des pratiques où c'est très difficile à suivre. Et donc, si on n'est pas un peu curieux aussi des pratiques des jeunes et que ça ne rentre pas dans une démarche aussi de s'intéresser à ce qu'ils font, on est très vite déconnecté, donc ça implique aussi ces discussions-là. Et je pense que pour beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés à faire de l'éducation aux médias, il y avait aussi vraiment ce truc de surprise de se dire bah, finalement on est venu leur parler des médias traditionnels et ils les regardent plus, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de pratiques informationnelles par ailleurs, juste c'est plus du tout les mêmes canaux, les mêmes façons de faire. Et on se rend compte qu'ils ont toujours un temps d'avance sur nous, en fait, ou plutôt on a un temps de retard sur eux. Donc, quand tu arrives dans une classe ou même tu es au quotidien avec des jeunes, en fait, ils t'apprennent de nouvelles choses et de nouvelles façons. Voilà, aujourd'hui, il y a Twitch qui marche, qui cartonne bien. Et en fait, il y en a plein qui le connaissent depuis longtemps parce qu'ils font du gaming, ils font du jeu. Et nous, on découvre ça aujourd'hui. On se dit, ah, c'est cool. Et il y a Samuel Etienne et tout. Et c'est cool, ok. Mais en vrai, on a un temps de retard. Donc, si tu n'as pas cette curiosité d'aller voir ce qui se passe et t'intéresser à ce que font les jeunes, en fait, ben déjà, tu as un retard. Donc, en fait, si tu ne t'intéresses pas, tu auras encore un autre temps de retard. Donc, c'est une partie intégrante de notre façon de faire, de prendre en considération qui sont les jeunes, qui sont les personnes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, mais qui sont ces personnes, d'où elles viennent, d'où elles parlent, et quelles sont leurs pratiques, et qu'est-ce qu'on peut finalement faire en commun, en fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire commun entre ce qu'eux font déjà, des choses, et qu'est-ce que nous on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut compléter, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et parce que des fois, il y a une grande inventivité, une grande créativité dans les formats. Après, ça, c'est des choses aussi beaucoup plus fragmentées, plus courtes, et des habitudes aussi de consultation qui ne sont pas du tout. Donc, en tout cas, d'être peut-être plus lucide sur la manière dont ce qu'on va produire va être reçu ou pas. Quoi. Enfin, c'est aussi une manière de pouvoir s'adapter. Et de proposer aussi d'autres choses en résonance avec ses manières de faire et ses pratiques. En fait, il faut les regarder. Moi, je rajouterais, comme pour rebondir sur ce que vous dites, il faut les regarder sans mépris, en fait les pratiques médiatiques des jeunes. On a souvent l'idée préconçue, en fait, le préjugé que les jeunes s'informent mal, alors que bon, maintenant, on sait à peu près que ce n'est pas forcément les jeunes qui s'informent mal ou qui partagent le plus de fausses infos, mais c'est plutôt les personnes âgées, même si bon, j'imagine qu'il y en a, enfin c'est pas les, même que les personnes âgées, en fait tout le monde a des pratiques d'information qui sont questionnables, en fait. Même moi, je lis pas Le Figaro et Libé tous les jours pour comparer les différentes lignes éditoriales sur les mêmes sujets. À partir de là, je pense que faut pas attendre des jeunes qu'ils aient des pratiques médiatiques parfaites, et faut surtout pas les regarder avec mépris. Et en fait, leurs nouvelles pratiques médiatiques qui sont effectivement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, peut-être que les Amandine, Céline et Béatrice, vous pourrez en parler, puisque je pense que vous avez enquêté là-dessus. En fait, les pratiques médiatiques des jeunes sont très plurielles et en fait parfois très surprenantes. Il y a des jeunes qui sont à fond sur les médias traditionnels, genre j'avais une jeune qui était fan d'Europe 1 à tout prix parce qu'elle écoutait la radio avec ses parents. Et il y en a d'autres qui vont être uniquement sur les réseaux sociaux. Et nous, là, on va intervenir, en fait. C'est que quand on se retrouve face à des jeunes qui sont que sur les réseaux sociaux, déjà on ne va pas s'attendre à ce qu'ils consomment les réseaux sociaux sans se poser de questions. Déjà, souvent ils ont déjà une lecture critique, en fait, de la manière dont ils s'en forment avant qu'on arrive. Et en fait, nous, on va s'appuyer sur cette lecture critique qu'ils ont pour leur donner, en fait, des outils de compréhension, en fait, de ces différents espaces-là. Et moi, je prends souvent l'exemple d'une jeune fille qui était dans une classe de troisième que j'ai suivie pendant un an pour un documentaire et qui en fait expliquait comment elle s'informait, en fait, en montrant son téléphone. Et elle disait, bah, en fait, là j'arrive sur Snapchat. Sur Snapchat, je vais voir les stories qu'il y a dans l'onglet Discover de Snapchat où il y a des stories du Monde, il y a des stories de Brut, il y a des stories de différents médias. Ensuite, elle dit, je quitte Snapchat, je vais sur YouTube. Sur YouTube, je regarde, en fait, les vidéos qui arrivent dans la une, et puis je vais voir, en fait, quand est-ce qu'elles ont été publiées. Donc comme ça, je sais si c'est une vidéo récente ou pas récente, etc. Et ensuite, je vais sur Google Actualité et je tape les sujets qui m'ont intéressé sur les autres réseaux sociaux pour trouver les articles correspondants. Et donc, en fait, là, moi, pour moi, elle dessine, en fait, ce qui serait une manière de s'informer, en fait, avec les outils d'aujourd'hui, mais avec d'une manière, en tout cas, critique, avec différents points de vue, différents regards et différents formats, quoi. Donc ça, je pense que c'est intéressant et ça doit nous inspirer, en fait, sur notre manière de pratiquer le journalisme. Et ça vient aussi déconstruire un peu un présupposé qu'ils ont une démarche uniquement que passive,
vis-à-vis de l'information ou vis-à-vis aussi des outils ou des applications numériques. Alors que finalement, nous, on découvre qu'effectivement, ils ont des pratiques à la fois plurielles, mais aussi qui passent par des démarches très actives où eux vont chercher ce qui les intéresse à des instants précis. Moi, ça m'a tellement fasciné qu'on en a fait une série avec un autre journaliste sur la manière dont ils utilisent tout ça, les téléphones, comment, pourquoi, dans quel but. Et derrière, ça soulève plein de questions sur la manière dont ils se construisent, la manière dont ils s'informent, la manière dont ils se sociabilisent, la manière dont ils pensent leur avenir. Enfin, voilà, c'est extrêmement vaste. Et je pense que sur ça, du côté de Jericho, j'imagine que les recherches que vous accumulez depuis quelques années, elles tendent aussi à tenir ce propos-là, quoi, que c'est très, très varié. Et... Oui, derrière des statistiques qui sont toujours très, très englobantes mais, et qui disent assez clairement qu'effectivement, les plus jeunes sont de moins en moins présents dans une pratique, je dirais, de la lecture de la presse écrite. Derrière cette statistique très générale, il y a une énorme diversité des pratiques de chaque individu. Alors, il y a des éléments stables, c'est-à-dire que même si les dispositifs changent régulièrement, on sait assez bien que les adolescents sont à la recherche de dispositifs qui échappent pendant un temps aux éducateurs et à leurs parents, c'est-à-dire que parce qu'ils sont adolescents tout simplement, et donc c'est pas par hasard que ce sont toujours eux qui prennent en main les nouveaux dispositifs de circulation de l'information, que ce soit Twitch ou TikTok ou d'autres, parce qu'en fait voilà, pour eux c'est justement d'un coup un espace privilégié qui va échapper pour un temps à la surveillance parentale ou des éducateurs, même si ça ne veut pas dire qu'ils veulent pas en parler avec les adultes, mais voilà, c'est leur espace à eux. Donc, mais ça c'est plutôt les 13-15 ans. Et après, comme tout le monde, hein, ils font leur chemin au milieu de l'ensemble des dispositifs et médias qui font circuler de l'information. Ils le font avec les mêmes difficultés que nous, mais aussi avec les mêmes volontés de s'informer au mieux. Alors après, on est, pour plein de raisons, plus ou moins motivés à avoir un rapport critique à l'information, plus ou moins aussi outillés intellectuellement, mais ce n'est pas propre aux jeunes. C'est propre à la diversité, à la multiplicité des parcours, et qu'on soit jeune ou adulte. Et alors, effectivement, je pense que les éducateurs aux médias ont un rôle qui est justement de favoriser cette fabrique d'un regard critique et d'appropriation d'un certain nombre d'outils intellectuels, on va dire, de rapport aux médias. Mais il ne faut jamais préjuger de ce que sont les pratiques de chacun ou de chacune. Et ceci, quel que soit son âge et son parcours. Pas mieux. Oui, non, pas voilà. Mieux. Oui, non, ne pas disqualifier les pratiques. Voilà, en fait, exactement. C'est bien l'enjeu. Oui, c'est ça, et c'est la multiplicité des pratiques. Après, dans ton chapitre, Amandine, le premier chapitre, tu parles justement, par contre, des médias dominants et qui ont quand même une part très importante encore, notamment de l'audience. C'est un terme que tu appelles sphère publique globale. Et même s'il y a une multiplicité des pratiques, il reste quand même aujourd'hui dans l'information des canaux qui sont privilégiés, je suppose, et par lesquels une majeure partie de la population, en tout cas, vient s'informer. Et donc, c'est à travers, en tout cas, c'est, disons, en opposition à ces canaux-là, pour essayer de proposer d'autres choses, et justement essayer de nourrir l'esprit critique, c'est ce que vous évoquez dans le livre, qu'il y a notamment plein d'initiatives qui essaient de se monter, et des initiatives pour monter des médias participatifs, par exemple. J'aurais bien aimé à la fois qu'on parle de ces initiatives-là, de ces concepts, peut-être. Et là, il y a une autre question qui vient d'arriver, justement, aussi sur les pédagogies par le faire et sur ce que ça nourrit et implique dans les différentes réflexions autour de tout ce qu'on vient d'évoquer, quoi, c'est-à-dire à la fois des pratiques médiatiques des jeunes, mais aussi des personnes en général, quoi. Donc, je sais pas, Amandine, ouais, peut-être déjà sur cette question-là. Ouais, c'est vaste, ça marche. Hein, après, en fait, on a effectivement, nous, en sciences de l'information et de la communication, il y a beaucoup de réflexions justement autour de cette notion d'espace public. En essayant de distinguer ce qui effectivement serait un espace public dominant, en fait, qui serait alimenté par les discours de médias dits traditionnels, de médias mainstream, et en fait qui montrent que voilà, dans cet espace public vont se construire un certain nombre de discours de représentation sociale, donc sur la base de luttes, hein, pour de la visibilité.
Voilà, ce qui se construit au quotidien, c'est des manières de voir le monde. Donc, c'est pour ça que ça va être très important, parce qu'en fait, il y a des enjeux de reconnaissance, de valorisation, voilà. Sauf qu'on constate bien que tout le monde n'a pas un accès semblable à cet espace public dominant et qu'on va avoir des catégories d'individus qui auront du mal à accéder à cet espace public dominant, à y prendre la parole, et dont du coup les représentations vont avoir tendance, pour le dire un peu vite, à être peut-être maltraitées. Donc c'est le cas de groupes minoritaires, c'est le cas par exemple, on évoquait tout à l'heure, les quartiers populaires. Et donc face à ça, il y a un certain nombre de théoriciens, sur la base d'études de terrain, qui ont observé que se créaient en fait d'autres espaces, des espaces dits alternatifs, à travers lesquels, c'est ce que disait Julien tout à l'heure, mais je vais y revenir, justement, on va pouvoir mettre en circulation d'autres représentations. Et par exemple, les acteurs eux-mêmes de leur propre vie vont pouvoir mettre en circulation d'autres représentations. Donc, typiquement, à travers des ateliers d'éducation aux médias, vont pouvoir se mettre en circulation des représentations différentes des quartiers populaires ou de différents groupes minoritaires. J'évoquais Julien parce qu'en fait, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi, quand je dis qu'on a un espace public dominant alimenté par des médias dits traditionnels et que de l'autre côté, on a des espaces alternatifs, Julien me dit souvent, mais pourquoi arrête avec cette distinction-là qui n'a plus trop de sens. Et moi, c'est aussi quelque chose... Enfin, mes étudiants en amphi me disent aussi ça, donc ils contredisent ma parole, donc je trouve ça extrêmement déplacé. Mais néanmoins, j'essaie d'en saisir, voilà, dans une perspective plutôt horizontale. Et voilà, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même des thèmes. Je pense qu'en premier lieu, la question, par exemple, de la médiatisation des violences policières ou des violences faites aux femmes montre bien quand même qu'il se passe des choses en termes d'équilibre, quoi. C'est-à-dire que ces espaces alternatifs, ils comptent. Du coup, peut-être qu'un jour, je serai complètement d'accord avec Julien et qu'on ne les appellera plus espaces alternatifs. Néanmoins, aujourd'hui, je vais quand même encore les appeler comme ça. Merci, Julien. Et en tout cas, il s'y passe des choses fortes. Et du coup, dans ces projets de EMI, je pense que c'est important de saisir tous les enjeux symboliques, mais qui ont un poids. C'est-à-dire on peut mettre en circulation, quand on participe à des médias dits alternatifs, on peut mettre en circulation d'autres représentations. Et à la fin du petit texte que j'ai écrit, moi j'ai voulu citer Hannah Arendt, parce que c'est toujours bien de citer Hannah Arendt, et du coup je vais me permettre de le refaire. Hein. Voilà. Donc je cite, « La participation à un espace public est en effet un moment essentiel pour chacun, afin de trouver une dignité et un sentiment d'existence plus grand, parce qu'il est partagé avec d'autres. » Et donc, cette magnifique phrase pour dire que vraiment, il se joue des choses très importantes à ce niveau-là, à la fois, je dirais, pour le collectif, parce qu'on permet la mise en visibilité d'autres représentations, et à la fois au niveau individuel, parce que quand on est soi-même acteur, et ça fera le lien avec les pédagogies par le faire, de cette mise en circulation, en termes de pouvoir d'agir, on touche quand même du doigt quelque chose de très important et qu'il faut, je pense qu'il est vraiment important de valoriser. Voilà. Merci. Oui, c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ça rejoint vraiment bien le principe. Vous m'entendez en écho ou pas? J'ai un peu un petit souci. Petit écho, ouais. Alors, excusez-moi. Est-ce que là, c'est mieux? Donc, oui, là, ça rejoint tout le questionnement qu'on évoquait autour notamment de la constitution de nouveaux projets et de la pédagogie par le faire. Il y a deux sujets que je voulais voir, c'est la pédagogie par le faire, notamment, c'est Béatrice, je crois, que tu as travaillé sur ce sujet-là, et notamment sur une des figures qui est très liée à ce concept, c'est Freinet. Et Freinet, donc notamment sur les écoles, la pédagogie Freinet. Et donc ça m'amène à une question, double question. À la fois, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus en profondeur sur ce principe appliqué au journalisme et à l'EMI, et peut-être même avec des exemples concrets, notamment du Labo 148. Mais du coup, très rapidement aussi, on a reçu une question sur le chat liée aux personnes à qui vous faites de l'éducation aux médias, c'est-à-dire que vous allez régulièrement dans les collèges et les lycées, ça on le voit beaucoup. Est-ce que vous allez par exemple dans les écoles primaires
Est-ce que ce sont des publics que vous arrivez à toucher ou pas du tout? Ouais, moi j'en ai fait un peu. Moi j'ai fait un peu de. J'ai fait un peu d'ateliers dans des écoles primaires, mais notamment à Roubaix. Et c'est assez intéressant. Du coup, je raccroche avec la question dont on parlait tout à l'heure, mais en fait, sur ce que ça change en fait dans ta vision de journaliste, en fait, de faire ce genre d'atelier. Et en fait, en école primaire, tu te rends compte en fait de l'utilité, en fait, je dirais, sociale ou identitaire de l'information, et pas seulement de. En fait, les médias, on a tort de penser qu'ils sont là que pour nous informer, c'est-à-dire nous donner des informations. Mais en fait, tes informations, elles ont un rôle social, elles ont un rôle de lien social, d'avoir un sujet de discussion, de construire une opinion politique, d'avoir en fait une représentation, quelqu'un qui nous ressemble aussi à la télévision ou dans les médias. Et du coup, je trouve en école primaire, c'est un truc qui ressort pas mal. En fait, on se rend compte des usages en fait sociaux et pratiques de l'information. Pour des jeunes qui ont 9, 8, 9 ou 10 ans, et en fait ils ont un usage de l'information, ils ont déjà des représentations, et je trouve que ça se ressent pas mal en école primaire. Donc ouais, on en fait un peu. Après c'est très différent d'avoir des tout petits plutôt que des collégiens, des lycéens, ou même pour Flore et Julien, des jeunes adultes déjà, mais moi je trouve ça très chouette.
aussi de le prendre. Et peut-être juste pour rebondir un peu sur ce que dit Béatrice, et peut-être que Céline, ça peut aussi rejoindre ce sur quoi toi tu as travaillé, mais il y a cet enjeu du coup de s'outiller, de savoir apprendre à maîtriser les outils des médias en faisant de l'EMI. Donc ça passe par cette pédagogie, par le faire. Et du coup, une EMI un peu à plusieurs niveaux de lecture avec cet enjeu d'acquérir des compétences ou de partager des compétences plutôt techniques. Et puis cet enjeu aussi de s'interroger en fait tout simplement à travers des thématiques qu'on va aborder, des sujets qui vont émerger sur finalement dans quel monde on vit et de quoi on a envie et comment on a envie d'y trouver sa place, d'y participer. Et pour moi, l'EMI, elle prend vraiment son sens à cet endroit-là. C'est-à-dire que les outils finalement sont un prétexte à pouvoir travailler et aller plutôt sur ce champ-là, de discuter vraiment sur des sujets de fond et des questions de société. Qui sont importantes. Et du coup, peut-être sur, je sais pas, on a parlé un peu du numérique, mais c'était plus ton champ de recherche. Oui, c'est, les outils sont un prétexte, et en même temps, on voit bien toute la facilité aussi de ces outils numériques qui aident pas mal la production, et puis l'attrait aussi de ces différents publics pour construire aussi des choses aussi abusantes. Alors c'était le cas aussi avant, hein, quand on travaillait sur de la presse papier, qu'on construisait aussi des articles de presse aux jeunes. Mais là, il y a quelque chose aussi d'assez ludique, enfin, de travailler le son, l'image. Je dis ça, évidemment, vous avez cette pratique de travailler avec les jeunes directement sur ça. Mais ça, c'est un élément aussi qui est très fort pour s'approprier aussi des outils. Où on voit, hein, y a une sorte de fascination aussi par rapport aux adultes, hein, qui voient ça comme un truc, parce qu'on sait faire, on pourrait tout révolutionner, et en même temps une crainte aussi par rapport à ces outils qu'on ne maîtrise pas, et donc voilà, c'est essayer de tirer un peu, de trouver un juste milieu entre cette fascination et en même temps le côté un peu repoussoir, très dangereux aussi du numérique, pour créer et pour s'approprier en fait ces outils numériques et construire aussi avec les différents publics des choses et puis des formes, enfin, d'expression aussi qui sont extrêmement intéressantes pour cet ensemble de publics très différents. Et du coup, là, ce sont des pratiques que vous avez régulièrement, notamment au sein du labo 148. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut en discuter un petit peu, faire un petit focus là-dessus, mais vous avez évoqué donc que la BOS 148, il est hébergé par la condition publique. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà ce que c'est la condition publique? Parce que nous, en Bretagne, on ne connaît pas forcément. Et donc, oui, après, peut-être parler en tout cas du labo 148 qui est vraiment dans la pédagogie par le faire, pour le coup, quoi. OK. Le labo 148, du coup, c'est un projet média participatif qui est porté par la condition publique à Roubaix, qui est un lieu culturel, et qui est destiné à des jeunes de 15 à 30 ans. On a tendance à dire non discriminant. S'ils ont un peu moins de 15 ans, on les intègre quand même. S'ils ont plus de 30 ans, on trouve des solutions toujours. Et qui vise en fait à permettre à des jeunes de la métropole lilloise et principalement de Roubaix de se rencontrer. Et aussi, il fut un temps avec l'École supérieure de journalisme de Lille, il y avait un partenariat qui permettait à ces jeunes de ces jeunes métropolitains de rencontrer des futurs journalistes qui, parfois, ne se rencontreraient jamais à un autre endroit que celui-là, avec ce vœu pieux de se dire que quand tu apprends à connaître les gens, du coup, tu les imagines un peu différemment tout court. Et dans la pratique, c'est un espace où ces jeunes apprennent à se connaître, produisent des choses ensemble, et on essaye aussi de voir comment ça peut influer aussi sur le regard sur l'un ou sur l'autre, notamment en se disant que les futurs journalistes qui iront en école de journalisme et qui iront dans les rédactions ne considéreront pas ce qui se passe dans les quartiers comme des faits, mais comme des personnes qui vivent des choses, et à l'inverse, les jeunes de la métropole et de Roubaix pourront avoir une autre vision des journalistes, une vision un peu moins détachée de ces... Petit bug encore. C'est un projet qui existe maintenant.
Ça a de nouveau, ouais, ça a de nouveau coupé sur la fin, Julien. Je disais un truc sur les journalistes hors sol. Ouais. Je crois que tu es censuré sur certaines parties de phrases. Enfin, voilà. Apprend et qui se. C'est coupé encore. Voilà. Ben oui, c'est, oui, voilà. Toujours. Mince. Ouais. Voilà. Coïncidence, ouais. Je ne crois pas. Non, pas du tout, mais en gros, si je comprends bien, c'était ça, c'était l'idée de que ça permettait à chaque personne en fait de se situer différemment, d'avoir à chaque fois un regard qui sera en tout cas amélioré par les pratiques que vous proposez, quoi, si je comprends bien. Vous êtes bloqué peut-être encore. Ouais, c'est ça, vous nous entendez ou pas là? Oui. Oui. C'est vraiment l'idée aussi, enfin, c'est pas que de la pédagogie par le faire, mais vraiment par le faire ensemble, quoi. C'est-à-dire que nous, on est là, Julien et moi, et puis certains autres membres de l'équipe, pour faciliter un peu les échanges, mais tout passe par des temps vraiment de réflexion collective. En général, on choisit chaque saison un sujet sur lequel on va travailler, et on intègre aussi des sites de rencontres, de formations qui peuvent être techniques, ou aussi des temps d'échanges, de réflexion, de création, des masterclass, des débats, etc. Et en fait, c'est tout ça qui vient nourrir en fait les productions qu'on va décider de faire ensemble. Et ça peut être sur des formats très variés. On a fait des séries documentaires, on a fait des œuvres d'art, des installations, des performances, il y a vraiment plein de choses, des collages dans l'espace public. Donc c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un lieu d'expérimentation et aussi où les jeunes apprennent les uns des autres en fait. Pas forcément que d'ailleurs entre étudiants en journalisme et les autres, mais vraiment c'est collectivement. Là en ce moment, on est en train de travailler sur un magazine télé par exemple, et chacun trouve sa place dans changer de poste et faire de la prise de son, faire de la présentation, créer quelque chose. Il y en a qui dessinent, et voilà, c'est vraiment la richesse du projet, c'est aussi ça, et la manière d'avoir une réflexivité qui va venir s'inscrire en filigrane de ce qu'on est en train de produire ensemble et qui fait des sortes d'aller-retour et d'analyse collective. Quand il y a quelqu'un qui rencontre un problème, on en parle ensemble, on cherche des solutions ensemble, on en débat. Et c'est vraiment un lieu où nous, on a vu certains jeunes, ils sont là depuis le début, en fait. Donc, on les voit évoluer, certains depuis qu'ils ont 15 ans et maintenant qu'ils sortent, qui ont le bac et qui font des choses. Et donc, c'est super intéressant de les suivre vraiment sur le long terme aussi et de voir comment ils se développent avec ça, comment ils gagnent aussi en confiance en eux. Enfin, il y a vraiment des choses où c'est pas juste pour montrer à ceux qui nous financent que c'est efficace et que ça marche, mais c'est vraiment des fois assez spectaculaire, en fait. Et c'est pas bien sûr que le labo, mais ça y participe. On sent que c'est vraiment cette énergie-là et le fait ça donne une ouverture d'esprit, une envie de faire qui est super forte, quoi. La spécificité aussi de ce projet média, c'est qu'il est intégré dans un lieu culturel. Et c'est plutôt assez rare d'avoir des projets médias qui sont inscrits dans des lieux culturels. Et avec cette idée aussi que les jeunes du labo et les gens qui viennent au labo, en fait, peuvent aussi accéder à la culture qui est offerte par la condition publique. Et en termes de parcours, pour nous, c'est important parce que, certes, ils viennent dans un atelier dit média, mais en fait... Il y a tellement d'autres choses qui se passent autour du Labo 148 dans ce lieu et même à Roubaix et ailleurs, qu'en fait, nous, on se positionne en tant que facilitateur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va réaliser au Labo, mais en vrai, si on n'a pas les compétences et qu'il y a mieux ailleurs, en fait, on va orienter aussi. Et il y a un truc qui est important aussi au Labo 148, c'est que les jeunes, quand ils arrivent au Labo, ils ont déjà des pratiques. Et pas que des pratiques de consommation des médias, etc., mais des pratiques artistiques, et toute autre pratique sportive, etc. Et nous, on réfléchit à comment on peut intégrer aussi ce qui compose chaque personne, leurs passions, leurs envies, pour essayer de créer quelque chose en commun. Et donc, du coup, c'est ce que disait Flora tout à l'heure, on a des formes extrêmement variées de production qui vont de la série documentaire à de la création d'un appel à contribution internationale qui a débouché sur une exposition à la condition publique. Et je reviens à ça, en fait, c'est aussi à ces endroits-là où on va occuper ces espaces en fait où les jeunes et nous ne sommes pas présents. Donc dans un lieu culturel, avoir une exposition dans un lieu culturel comme la condition publique, bah, en fait c'est super important parce que c'est pas accessible ou c'est très difficile en termes d'accès.
Quand on travaille avec le Labo 148 sur un projet avec Paolo Sirio, qui est un artiste et qui était prof au Frénois, à un moment donné, c'est de se dire le Frénois, c'est une école d'art qui est clairement pas accessible à tout le monde. Nous, on va y rentrer pour aller faire du montage avec des jeunes qui pensaient jamais pouvoir y aller. Et c'est ces effets-là, c'est ces efforts-là qu'on mène avec les jeunes qui créent aussi le fait d'avoir un groupe qui avance et qui se donne envie de produire de nouvelles choses. Donc là, on sort d'une série documentaire, on prépare un magazine télé, web de 30 minutes, et on se dit, on y va, et on met les choses en place collectivement pour que ça puisse se faire. Et à chaque émission, on s'améliore, ou en tout cas, on imagine s'améliorer pour pouvoir, à un moment donné, réussir peut-être à vendre ce programme à une télé. Mais en tout cas, voilà, on expérimente et en même temps, on produit des choses qui, on espère, ont de l'impact aussi sur les gens et sur le territoire. Avec cet effort de diffusion dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire depuis le début du projet, on travaille aussi avec une boîte de production, avec France 3, Région. Il y a vraiment l'idée que ça circule et que tout ce qui est produit, ce n'est pas juste un travail d'atelier qui reste dans le cadre de l'atelier, quoi. Ok. Mais c'est un chouette projet et du coup, c'est vrai que c'est en tout cas expliqué dans le livre avec parmi d'autres expériences, mais c'est une expérience en tout cas marquante dans ce livre-là. Je vais être obligé, moi, de clôturer là, maintenant notre discussion, mais je voulais, juste avant qu'on termine, quand même faire un petit focus sur un point qui est important dans le livre. C'est quand même superbement illustré par Flora, justement, qui est là. Donc, on a plein d'illustrations, apparemment, qui doivent apparaître à l'écran. Quand nous, on a reçu le manuscrit, pour être assez transparent sur la manière dont on travaille, on a reçu un manuscrit, c'est pas souvent le cas, c'était déjà, les illustrations étaient déjà là, en fait, elles avaient déjà été travaillées, donc elles ont été travaillées en même temps que le livre. Et moi, juste la question que je voulais te poser, Flora, c'était comment ça s'est fait, pourquoi avoir travaillé ces illustrations en parallèle, qu'est-ce qui a motivé ça? Je ne sais même plus comment c'est arrivé sur le tapis, mais c'est arrivé assez naturellement, je crois. Moi, j'aime bien mettre des illustrations et du dessin dans tout ce que je fais. Donc, comme je le disais avant, on en fait aussi au labo. Je fais aussi des ateliers de gravure avec les jeunes et tout. Et on fait des projets vraiment à la frontière entre l'art et le journalisme. Et donc, moi, je n'ai jamais réussi à choisir non plus entre l'art et le journalisme. Du coup, aujourd'hui, je mixe les deux, quoi. Et je pense que ça apportait aussi une dimension de comment arriver à retransmettre le côté vivant des ateliers, de ce qui s'y passe, des discussions qui s'y produisent, où il y a un côté coulisses, en fait, qui n'est pas facilement accessible et qui peut être très ennuyeux à décrire. Et donc, les planches de BD, tout ça mettait un peu de vie, d'humour parfois. Ça permettait de montrer aussi vraiment des situations vécues qui parfois sont un peu absurdes aussi, notamment dans les discussions qu'on peut avoir parfois. Parfois, à un moment, on parle aussi c'est une manière de parler de ce qui nous arrivait avec la préfecture à l'égalité des chances, qui est un des financeurs du labo, par exemple, qui vient à un moment donné voir un petit peu ce qu'on fait et puis demande à voir une vidéo en particulier qui s'appelle « Mon métier, c'est dealer » et qui dit à la fin de la vidéo, vous allez me retirer le logo tout de suite. C'est le genre de négociation en fait, qu'on a en permanence et une manière de les montrer sans être dans l'analyse. C'est des choses aussi ponctuelles, anecdotiques, mais qui à la fois révèlent aussi les enjeux, les pressions qu'ils peuvent y avoir, qui parfois sont pas forcément directes ou conscientes même, mais qui sont bien là. Et nous, c'est vraiment une manière aussi c'était une manière de montrer un petit peu ces aspects-là. Et juste sur la couve, Oui. La couve, c'est qu'on peut peut-être voir là. La couve, c'est un projet collectif qu'on a mené avec des habitants. Et c'est un projet qui s'appelle Retratos et qu'on a exposé dans l'espace public lors d'un festival à Roubaix. Et toutes ces personnes qui sont là sur cette couverture sont des acteurs du quartier et de la ville à Roubaix et qu'on a, voulu mettre en avant dans un projet d'exposition et qui rentrait parfaitement en fait, dans cette illustration aussi de couverture. Ça c'est un super taf de Flora. C'est un mélange de photos que Julien avait réalisé avec l'Afghan Box, qui est aussi un outil vraiment pour nous un peu artisanal pour réapprendre et transmettre et partager la méthode photographique argentique en direct. C'est un appareil qui peut aller dans la rue, donc il y avait vraiment l'idée aussi de,
de passer ce temps-là avec les gens, de les prendre en photo, mais pas dans le sens un portrait selfie, mais vraiment un truc où on prend le temps aussi de discuter de comment ça se fait, et puis de discuter tout court. Et il y avait l'idée de faire émerger des petites phrases poétiques et de retransposer après ces portraits en gravure et de les afficher en géant dans l'espace public, mais avec vraiment un retour dessus. Et donc voilà, c'était l'idée que la couverture elle-même puisse être un projet d'éducation aux médias et à l'image. Commun, c'est que normalement on voulait que les photos de Julien, elles illustrent aussi le bouquin, et puis en fait le manque de temps et la galère de tout le projet qui a avancé, finalement ça n'a pas été possible. Mais du coup Julien, je sais que ça tenait à cœur, donc on vous donne rendez-vous les éditions du commun pour un tome 2 avec les photos de Julien qui illustrent ça. Ouais, ça marche. Bah là du coup on est tout serein par rapport à ça, mais c'est vrai que d'habitude, en tout cas en tant qu'éditeur, c'est pas forcément l'habitude qu'on a de recevoir un livre où tout est déjà illustré. C'est peut-être pas la même identité graphique que celle qu'on peut défendre ou autre. Donc c'est pas forcément une chose qu'on accepte, mais en tout cas là nous on a été vraiment séduits, et tant par le fond que par la forme. Et c'est vrai qu'en plus les illustrations, ces regards croisés, ça permet des respirations dans le livre et qui font que c'est un super livre et qui, on apprend plein de choses et c'est très agréable à lire quoi. Parce que c'est une aventure quand même d'écrire à 10. Voilà. Oui, ça. Et merci à celles qui ont piloté l'aventure, ouais, d'ailleurs. Un grand, grand merci. Et merci à vous aussi, les éditions du commun. Franchement, c'est cool d'avoir accepté un projet avec 10 auteurs autrices, enfin 12 même en tout. Ouais. 12 auteurs autrices, puisque du coup, il y a aussi Julien Talpin qui est chercheur, Coralie Lecaroff, du coup, on l'a cité, qui n'est pas là. Il y a aussi Leila Rouyel qui a écrit dans le petit manuel, mais qui ne sont pas là avec nous. Et on voulait vous remercier d'avoir bien voulu accepter un projet hybride, un peu chelou, écrit par... plein de mains différentes avec des styles d'écriture différents, et ça a été un plaisir en tout cas de faire ça avec vous. Et nous on apprécie votre vision engagée du métier de l'édition, et du coup c'était complémentaire. Cool, alors je sais pas si je réenclenche mon micro pour la fin, ça va être la dernière fois que je vais le réenclencher, mais merci, nous aussi on est vraiment ravis. Et alors là pour le coup c'est le confinement qui nous a permis là de faire une vidéo pour présenter ce livre, mais malgré quelques petits soucis techniques, c'est vrai que c'est un format qui est hyper intéressant, parce que ça permet aussi d'aller un peu plus loin et de poser plus de questions, et peut-être de donner envie de lire le livre en tout cas. Donc ça sera peut-être une autre série de vidéos qui va venir sur les livres à paraître après. Voilà. Donc, on viendra à Rennes bientôt vous voir pour une sortie. Et voilà, carrément. Maintenant, les prochaines rencontres, ce sera en live, on espère, à Rennes, voire dans le Nord ou ailleurs. Quoi. Non, mais on va aller à Rennes. Merci aux deux collectifs. On veut tous aller à Rennes en fait. Hein. Mais... bon, c'est pas qu'on n'aime pas la métropole lilloise, hein, mais voyager. Mais voilà. Bon, en tout cas, bonne soirée et puis à bientôt. Un grand merci. Merci.